la mâche, la salade de blé, la doucette et 36 noms. J'aime pas encore une fois au-dessus de 20 degrés, donc le temps devient intéressant. C'est pas parce qu'il fait 25 ou 30 degrés une fois pendant la journée que c'est grave, hein, mais c'est surtout aussi les températures de nuit qui sont importantes. Hein. Maintenant, les nuits deviennent de plus en plus fraîches, donc ça commence à aller. Donc on peut semer soit aussi, moi je fais dans les alvéoles, donc... Et quand c'est des grosses graines, par exemple celle de Hollande, c'est des grosses graines, vous savez bien doser les graines. Et après, les repiquer encore une fois aussi à une distance de 10-15 cm. Ça, ça peut être même plus, hein, si vous avez beaucoup de terrain, plus ça sera encore mieux. Et là, ils deviennent beaucoup plus importants. On a une nouvelle variété depuis cette année-ci, elle s'appelle Favor, qui convient un tout petit peu mieux pendant les périodes plus chaudes. Moi, j'en ai semé, et c'est vrai que maintenant, elle est fort belle, et on va commencer à la manger maintenant. Donc, on peut les repiquer en serre froide, quand les tomates seront parties, ou dehors. Ou semer sur place dehors, ou semer sur place en serre froide aussi. Il faut avoir l'emplacement. C'est riche en protéines, elles s'enlèvent assez vite quand on les a mis au congélateur. Moins 18. Pendant un ou deux jours. Voilà, celle à grosse graine donne un meilleur goût avant les grands froids. Celle à fine graine donne un meilleur goût après les gelées. Donc ça, il faut savoir. Dans une serre froide, les grosses graines de Hollande, souvent, ça marche très bien parce qu'il fait un peu moins froid dans la serre que dehors. Mais ça va très bien dehors, les deux. Toujours garder humide, c'est ça parfois la difficulté. Pour l'instant, les terrains sont bien humides, en tout cas dans notre région. Voilà, on a encore eu chez moi plus que 30 litres d'eau il y a quelques jours. Et la terre, elle a bien absorbé, elle est bien humide. Donc il n'y a plus ce souci-là. Sauf maintenant, si pendant 15 jours, 3 semaines, il ne pleut plus, il fait beau, comme ils disent qu'il va de retour faire plus que 25 degrés. 30. Même plus que 30 degrés, peut-être 30. Ou 30. Faudra voir la durée de ce moment-là. Si c'est au moment que vous avez semé, ça se peut que la surface sèche assez vite. Si vous avez encore une pelouse, ce que je ne souhaite pas à personne, mais si vous avez encore une pelouse, mettez un tout petit peu d'herbe, mais très léger, hein, au-dessus, ça va un petit peu empêcher les rayons du soleil aussi de dessécher, et le vent aussi. C'est surtout le vent souvent qui dessèche, autant que le soleil. Si vous avez par exemple aussi une attaque d'oïdium, et ça arrive souvent dans les serres, ça c'est parce qu'ils sont un peu trop secs ou ils ont eu une période qu'ils ont eu soif. À ce moment-là, arroser à grandes eaux avec la pomme de l'arrosoir et souvent ça disparaît. Trop confiné aussi. Hein. Trop confiné aussi. Trop confiné, oui. Trop serré. Manque d'aération. C'est mis trop de rue. Hein. Voilà, moi je repique, donc je mets en alvéole et je repique, alors je mets. Entre deux, à ce moment-là, il y a moyen de faire un paillis. Donc ça fait qu'il reste donc à distance, parce que je compte à distance, et la surface reste plus humide sous le paillis. Bon, je fais un petit marathon, là. S'il y a des questions, vous pouvez toujours éventuellement intervenir. Hein. Les laitues toute saison, protégés en cas de gel, quand il gèle fort. Jusqu'à moins 5, souvent, ça peut aller. Mais dès que ça va plus fort, il faudra protéger un peu, soit avec un voile, sauf peut-être ceux d'hiver. Donc, s'il fait moins 10, je pense qu'ils vont souffrir quand même. Voilà. Donc, les toutes saisons. Numéro 93, numéro 93, 060. Les à couper,
Là, je n'ai pas noté le numéro. Là, il y en a toute une série. Hein. C'est dans les premières de l'étude. Les Romaines et Batavia. Certaines résistent mieux au froid. Il faut regarder dans le catalogue. Donc, c'est aussi dans les 93, 065, jusque 79, 79. Ceux d'hiver. Donc, eux, ils conviennent pour dehors et pour en serre. Et à la fin de l'hiver, ils vont donner une grosse pomme. Tout l'hiver, ils vont végéter un peu. Donc, faire surtout attention aux limaces, attention aux oiseaux. On va une fois refaire un chapitre sur les limaces, mais à un moment qui a moins de choses à dire sur les semis et les plantations, etc. Donc, peut-être un peu plus en hiver. Je vais une fois repréparer un truc là-dessus. Donc c'est important de lutter toute l'année contre les limaces aussi bien en hiver qu'en été, que quand on est attaqué. Moi j'ai très peu de limaces parce que je m'y suis mis très souvent pendant une paire d'années. Donc j'ai un petit peu limité le surplus. Il faut des limaces parce qu'ils sont importants pour la digestion, et surtout leur digestion permet à beaucoup de champignons du sol de se nourrir, entre autres. Donc ils servent aussi à nourrir les oiseaux. Hein. Donc ils ont une utilité, hein. Mais trop c'est toujours trop. Trop de bière c'est trop de bière, c'est pas bon. Trop de limaces, c'est pas intéressant. Voilà, pour prier de Clayton, ne gèle pas, se ressème facilement tout seul quand on laisse venir en graines, bien sûr. En serre froide, en couche et en pleine terre, ça peut marcher. Se mange avec un mélange de salade, avec une vinaigrette, parce que en soi, le goût n'est pas si important que ça. Ça n'a pas beaucoup de goût, mais c'est pas parce que ça n'a pas beaucoup de goût que c'est pas intéressant pour la santé. Et c'est à un moment qu'on a peut-être un peu moins de verdure au jardin pendant l'hiver. Et c'est surtout aussi la deuxième partie de l'hiver que ça commence à devenir plus important. Ça ne sera pas pendant vraiment l'hiver. Ça commence en hiver et ça devient plus important fin d'hiver, début du printemps. Le cerfeuil, en terrain frais. Frais, ça veut dire humide. Que parfois on trouve frais, on pense que c'est frisqué, non, c'est terrain humide. Il faut trouver un peu la variété qui convient à votre terrain. Ça, il faut peut-être essayer plusieurs sortes et voir un peu ce qui convient mieux. Ils sont parfois un peu difficiles. Ne lève pas non plus au-dessus de 20 degrés. Donc on ne sème ça, pas ça en plein milieu de l'été. Les artichauts, les cardons. Ne gèlent pas quand ils sont petits. Donc il y a moyen éventuellement de semer. Michel est plus connaisseur que moi. Tu sèmes aussi cette période-ci, tes artichauts, tes... Souvent c'est au printemps, mais ouais, cette année je n'ai pas trop réussi, mais non. Et autrement, oui, on peut encore semer maintenant. Ouais. Voilà, donc les artichauts, c'est les deux. Au 2, 0,30, et les cardons, c'est le 8, au 8, 0,12. Alors, la mésophylle, ce qu'on appelle les feuilles de navet, ça ressemble aux feuilles de navet, peut donner un petit navet au printemps, mais ce n'est pas vraiment pour le navet qu'on va le semer, c'est plus comme engrais vert, ou comme verdure pour mettre dans les soupes, etc. Ou les jeunes feuilles, même en salade. La facélie. On peut semer de la facélie encore maintenant. Ben, je suis déjà dans les engrais verts. Hein. Je vais voir ça par après. Voilà. On va passer aux engrais verts. Si je trouve ma feuille, j'ai tellement de feuilles et de bazar que je m'y tais. Donc il y a des engrais verts pour le printemps. Qui sont plus spécialement pour le printemps. Il y en a pour plus spécialement l'été. Il y en a pour plus spécialement l'automne. Pourquoi on met des engrais verts c'est surtout celui qui a beaucoup de place,
qui ne va pas tout cultiver chaque année, ça peut être intéressant de cultiver. Celui qui a des périodes, qui a des... ça ne devrait pas arriver. Normalement, quelqu'un qui vient ici, qui écoute ce qu'on dit qu'on peut semer, on sème tout le temps, on repique tout le temps, le jardin est presque tout le temps cultivé. Moi, je dois trouver un emplacement pour encore planter, sauf vraiment en hiver. Là, parfois, j'ai des endroits qui ont un peu de place. Sinon, la façon de Gertrude Franck avec les épinards que Michel a expliqué, donc vous savez retrouver ça sur le site. Donc, les avantages, c'est garder un terrain plus ou moins sans plantes sauvages. Je ne parle plus de mauvaises herbes ou des choses comme ça. Donc, ça évite éventuellement la levée des plantes qu'on n'a pas envie de voir. Quoique je vais dire par après, toutes ces plantes-là, c'est le meilleur engrais vert. Ça protège la vie de la terre contre le soleil, le vent et le battage de la pluie, entre autres. Donc le sol nu se détériore. Soit on met une couverture du sol en paillis, soit on met un engrais vert. Ça va aussi nourrir le sol en se décomposant, une fois qu'on va les faucher ou qu'on va les biner, les racines qui restent dans le sol vont drainer et donner une meilleure structure au sol. Donc on préfère ne pas arracher, mais on préfère couper à ras du sol, ou juste 1 ou 2 cm en dessous, pour laisser les racines en place. Les racines vont se décomposer, vont être une nourriture pour les vers de terre, ça c'est les plus gros, ceux qu'on voit le plus, mais pour toute une autre vie dans le sol. Les bactéries, les champignons, les cloportes, il y a un tas de choses qui vivent dans le sol. 1 cm² de terre possède 10 000, sans exagérer, 10 000 vies différentes. C'est incroyable, on ne les voit pas. Mais des chercheurs ont essayé de décortiquer tout ça et ils ont constaté que c'est vraiment énorme dans une terre vivante, bien sûr, la vie qui se trouve là-dedans. Donc la structure du sol, en même temps, ça va faire tous des petits canaux. Hein. Donc quand ça a été détérioré, l'eau va pénétrer plus facilement, donc va moins stagner. Donc il faudra peut-être plus faire des petites buttes pour planter les oignons, les échalotes et tout ça. Les racines de certaines plantes vont très profondément et à ce moment-là, ils captent des éléments en profondeur qui ne sont pas à la surface. Mais ils vont les ramener dans leur sève et à ce moment-là, quand on va faucher, on aura des minéraux, des sels minéraux et tout ça qui vont être de retour disposition. À quoi ? Disposition. Disposition, voilà. J'allais dire position, mais je ne trouvais pas le 10. À la disposition des racines, surtout des plantes qui ont des racines plus en surface. Par exemple, le fraisier a des racines vraiment en surface. C'est pour ça qu'on ne va pas biner. Il ne faut jamais biner dans les fraisiers. Il faut tirer ou couper vraiment à ras. Ça dépend ce que c'est. Un pissenlit, si vous coupez que à ras, ben, il va toujours revenir. Hein. Mais bon, certaines autres, il suffit de couper à ras du sol et puis ils sont disparus. Est-ce que le fraisier attire vraiment tout? Toutes les plantes possibles, les semences aiment bien de lever entre les fraisiers. Bon. Il y a sûrement ces raisons aussi, le fraisier est gourmand. Donc si on tire et on met sur place entre les fraisiers, hein, ils vont être nourris en même temps. Donc ça devient un engrais vert. Et le plus que, bien sûr, qu'on mélange les engrais verts, même dans la même surface, le plus qu'il y aura des différents éléments. Donc il ne faut peut-être pas faire uniquement que de la facélie, uniquement que des épinards, uniquement que de la moutarde, de colza et j'en passe.
Voilà, donc ça c'est en gros les raisons pourquoi mettre, il y a peut-être encore d'autres raisons valables et très intéressantes que je n'ai pas pensé à noter. Donc ceux de printemps par exemple, ça peut être les épinards, ça peut être les pois, parce qu'on peut mettre des pois aussi, même si on n'a pas envie nécessairement de les manger, mais qu'on a eu une grosse récolte, qu'on a plein de petits pois au-dessus, qu'on ne va pas nécessairement tout faire en soupe, on peut semer des petits pois, et après on va les faucher et les mettre comme engrais vert. C'est le printemps que tu peux semer là ou il faut semer au printemps? Ah, les deux. Ouais. Les petits pois, c'est les deux. Tu peux mettre maintenant, tu peux mettre au printemps. Les vesques, les avoines et la facélie. La facélie semée au printemps et en été va donner une belle floraison. Donc c'est joli, mais c'est surtout attirant pour tous les butineurs. Je ne parle pas que des abeilles, mais d'un tas de butineurs vont trouver à manger sur la facélie. Semée en été aussi, mais on aura une période plus tard. Donc c'est intéressant d'avoir des fleurs tôt et des fleurs tard. Semée en automne, on aura surtout la verdure, peut-être pas beaucoup de fleurs, hein, mais la verdure et les racines sont importantes. Voilà, ça c'est pour la facélie. En été, donc la moutarde, le colza, attention, c'est une crucifère, donc c'est la famille des choux. Donc c'est à éviter peut-être avant une plantation de choux, parce que ça peut éventuellement communiquer certaines maladies du chou. Parfois aussi l'hernie du chou. Quoique maintenant, on a constaté que la moutarde va plutôt aller en l'encontre de l'hernie du chou. Donc va un petit peu purifier le sol. Et pour ça, la moutarde est intéressante. Parce que, ça j'ai noté quelque part ailleurs, je pense. Pas vraiment. Mais c'est marqué sur la feuille. J'ai affiché quelques feuilles avec les explications des engrais verts. Donc elle va un petit peu aussi contrer certaines nématodes qui sont dans le sol. Elle va aussi s'attaquer à certains champignons qui peuvent éventuellement être nocifs. Donc elle a plusieurs vertus. Le vesque peut être semé en été aussi. Le sarrasin. Et il faut savoir que certains graminées font des racines jusqu'à des kilomètres de racines dans le sol. J'ai noté 500 à 600 mètres de racines pour le seigle. Le blé, c'est moins, c'est 300-400. Donc c'est quand même important. On ne le voit pas, on n'a pas l'impression que, mais ces plantes-là vont aussi très profond. Vont chercher des éléments qui sont en profondeur dans le sol et peut-être plus dans la couche de surface. Ils ne sont pas gélifs pour la plupart. Donc en automne, la moutarde. Début septembre, parce qu'elle est gélif, disons qu'à partir de moins 5, moins 6, elle pourrait geler, ce qui n'est pas grave. C'est même intéressant pour les fermiers, parce qu'ils doivent même rien faire, quoique ils ont fait des bêtises avant, des hivers qui ne gèlent pas, ou pas beaucoup, ils ne gèlent pas sur le sol. Donc ils restent et ils deviennent en fleurs au printemps. Et tous les abeilles sont attirées là-dessus. Et eux, au lieu de les broyer dans le sol, ils pulvérisent, c'est sûrement plus rapide. Mais ils tuent tous les abeilles et les autres butineurs, quoi. Donc ça, c'est surtout à éviter. Donc simplement biner s'il y a un hiver que ça n'a pas. On n'a pas disparu, biné. Soit laissé sur place. Bien sûr, un engrais vert, si c'est pour semer, on va le enlever.
et le mettre là où ce que ça ne dérange pas, où ce que ça peut nourrir d'autres plantes. Donc on laissera dans le sol que les racines. Si on laisse la verdure, si on sème sur place, les graines ne vont pas lever parce qu'ils n'auront pas de lumière. C'est logique, mais il faut y penser. Hein? Donc, sauf comme je disais, un léger paillis d'herbe ou quelque chose comme ça pour garder l'humidité, ça c'est pas trop grave, mais tout laisser comme ça sur place, ça va pas. Donc ça peut venir entre les rangs déjà en place de choux, de toutes sortes de choses, quoi. Entre les buttes de pommes de terre, ça c'est plus au printemps, tout ça, ça peut se faire. Mais ce qui est fort intéressant, ce sont les racines qui restent dans le sol. Bien sûr, si c'est des choses qui repoussent facilement, comme tous les rumex et tout ça, dans les engrais verts naturels, que je vais dire après, là, c'est plus embêtant. Donc là, il faut quand même essayer d'avoir les racines avec. Voilà, donc les vesques d'hiver, c'est ce qu'on a ici. Les épinards, très intéressant. On ne mange jusqu'à ce qu'on ne peut plus. Et puis le reste, ça sera de l'engrais vert. Même ceux en engrais vert, c'est les mêmes que ceux qui sont là. Donc c'est ceux à graines piquantes, donc ils donnent un très gros volume. Il y en a à petites graines qui sont très intéressantes aussi, hein. Je n'ignore pas cela. Mais voilà, comme engrais vert, c'est plus intéressant cela parce qu'ils donnent de plus grands volumes. Il faut peut-être biner le seigle. Si vous semez ça, vous pouvez semer ça maintenant, hein, au printemps, le biner. Donc couper au niveau juste en dessous du feuillage pour éviter que le part. Parce que ça se pourrait que le seigle repousse. Donc on le coupe à ras du sol, mais il repousse. Donc il faut le biner. Et pas trop le laisser s'implanter parce qu'après ça peut devenir assez costaud et difficile à travailler le sol. Hein? Donc si vous mettez du seigle, très intéressant, ici à partir de maintenant, je ne sais même pas si on en a, je pense que oui, mais au printemps, passez à la binette pour ne pas être embêté avec. Il y a aussi des engrais verts comme la luzerne qui sont, et le trèfle violet et le coucounin qui sont plutôt des plantes vivaces. Donc là, c'est une autre utilisation. C'est vraiment celui qui a un terrain trop grand qui peut éventuellement, les autres ils peuvent aussi, hein, qui peuvent éventuellement faire une partie en mélange avec la luzerne et tout ça, ou celui qui a des chèvres, des moutons, des lapins, etc. C'est une très bonne nourriture, très costaud comme nourriture, quoi. Le seigle, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est mettre une bâche au-dessus ou une grosse couche de... Mais bon, il faut avoir une grosse couche de broyat, de toutes sortes de choses. Là, ça va peut-être l'empêcher aussi. Mais je pense qu'il vaut mieux le biner. Mais si on l'a laissé... Parce qu'on peut manger le seigle après, hein, faire de la farine et tout ça. Si on l'a laissé et qu'on est un petit peu ennuyé avec... Il faudra pendant quelques semaines, un mois ou deux, mettre une bâche de carton, quelque chose qui prive de la lumière pour s'en défaire plus facilement. Alors maintenant, ce qui est le plus intéressant, c'est les engrais verts naturels. Donc c'est tout ce qui pousse spontanément. Ça peut être des légumes que vous avez plantés, qu'ils ont fleuri, qu'ils ont grainé. Ça peut être des plantes spontanées de toutes sortes, des plantes sauvages. Toutes ces plantes-là ont bien une raison d'exister et de pousser à cet endroit-là. Ils ne vont pas nécessairement pousser à d'autres endroits. Il y a des régions, par exemple, qui n'ont pas d'orties. Pas ici, les orties, hein, ça pousse partout. Mais il y a des gens, parfois, qui viennent chercher des graines d'orties. On se dit, ça ne va plus. Mais non, parce que chez eux, ce n'est pas une plante indigène, elle ne pousse pas. Bon, c'est des pays plus lointains. Hein. Comme ici, on a des gens qui viennent, je dirais presque du monde entier. Donc voilà.
Donc, elles poussent parce qu'il y a une raison. Ils répondent à un besoin du sol, souvent. Et c'est aussi des bio-indicatrices. Donc, de ce fait-là, on sait que le terrain est, par exemple, alcalin, qui est, par exemple, acide, etc., vis-à-vis des plantes sauvages qui viennent spontanément pousser là. Mais souvent aussi, c'est le sol qui a besoin des extraits que la plante va aller chercher en profondeur. Et en binant, en le laissant sur place, on rend justement ce que le sol demande. Pas ce que nous, on a envie de donner au sol. Mais ce que le sol demande. Ça, c'est autre chose. Et après un certain nombre d'années, par exemple, les chardons, en recyclant sur place, après un certain nombre d'années, les chardons ne pousseront plus. Parce que la terre aura reçu ce qui lui manquait pour faire pousser le chardon. Donc, la nature, elle est compliquée et facile en même temps. Donc, elle s'adapte à beaucoup de choses. Le meilleur moment de tous ces engrais verts qui fleurissent, c'est de les couper quand ils sont en bouton. C'est là que les engrais verts sont le plus riches. Une fois qu'ils ont fleuri, ils perdent de leur richesse. Voilà. Donc, on les laisse sur place, si c'est possible. Si c'est pour semer, on les met ailleurs. Si on n'a vraiment pas de place, ben, on les met au compost. Et ils reviendront quand même, les résidus reviendront quand même par après au jardin. Et là, si vous avez un engrais vert naturel comme ça, vous allez avoir vraiment un maximum d'éléments différents nutritifs. Parce que chaque plante, chaque variété de plantes a des autres éléments. Une salade rouge n'est pas composée de la même chose qu'une salade verte. Une salade de telle variété n'a pas, c'est peut-être très peu hein, la différence, mais elle a des piments, elle a des choses. Et ces petits éléments sont très intéressants pour la nature, pour le sol, et surtout pour nous. Parce que nous, on fait partie du sol, en fait. On est au même stade un peu que les vers de terre. On se nourrit avec tout ce qui pousse et qui est produit par le sol, qui a peut-être nourri des animaux, etc. Mais tout vient toujours à la terre. Bon, je ne vais pas dire que vous êtes des vers de terre, hein, parce qu'il faudra faire attention aux taupes. Là. Donc on les dépose sur le sol comme mûche. Ça, c'est la façon la plus intéressante à faire, parce que c'est disposé là où ce que ça a poussé. Ça donne au sol ce que le sol a demandé. Voilà, c'est moins de travail aussi. Hein. On passe à la pinette et on laisse le pas. Je vais m'arrêter là. Simplement, je vais vous montrer. J'avais parlé des doriques, donc des haricots kilomètres au printemps. Bon, c'est une culture facile et pas facile. C'est surtout une culture qui cultive la patience. C'est quelque chose qui pousse très lentement au départ. Une fois que ça commence à fleurir, les gousses, ça pousse très vite. Mais c'est qu'à partir de maintenant, souvent, en serre froide, ça marche nettement mieux en serre froide, sauf si on aurait un été comme le mois de juin, là, ouais, c'est juin, et qui se prolonge pendant tout l'été, ça pourrait marcher très bien dehors. Et ça a poussé en une semaine et demie, je dirais. C'est une plante grimpante? C'est une plante grimpante comme un haricot. Donc c'est un cousin germain du haricot. Ça s'appelle le dolique ou le haricot kilomètre, le haricot asperge. Il existe plusieurs variétés. Ça a un goût entre l'asperge et l'haricot. Ça peut devenir certaines variétés, jusqu'à on dit. Bon, les jardiniers et ceux qui font à la pêche ou à la chasse, ils allongent parfois un petit peu les résultats. Ça peut aller jusqu'à 1 mètre, mais bon, là, on est déjà quand même 50-60 cm. Mais on les récolte à moitié
de longueur pour qu'ils restent tendres à manger. Donc il ne faut pas les laisser venir jusqu'au bout, sauf pour récolter les graines. Il n'y a pas de fil là-dedans? Quand c'est sec. Jeune, en tout cas, non. Quand c'est trop vieux, ben... Ça vient d'haricots secs? T'en as eu? Oui, mais c'est petit. Hein. Il y a d'autres variétés qui sont plus intéressantes. Parce que les graines sont relativement petites. Hein. Bon, les miens, ils sont très très fins. C'est vraiment, on dirait, quasiment un fil. Mais ils grossissent après, souvent. Il faudra peut-être encore attendre un petit peu. Parce que c'est vrai qu'au début, ça fait bizarre. Hein. Ça fait effectivement comme un petit fil. On cherche après les fruits, en fait, hein, par rapport à haricots verts. Le haricot vert, on le voit très vite. Là, on ne le voit pas, puis là, il manque un an. Oui, mais ça va venir comme ça. Hein? Au début, ils étaient comme ça. Ils sont même plus fins que ça, quoi, au début. Ouais, ouais. Même la moitié de ça, au début. Ouais. Et ça peut déjà être long comme ça, hein. Et ça reste fin. Et après, ça devient comme ça. Voilà, ben, c'est une nouveauté sans être nouveau, hein, mais à essayer. Mais je pense qu'en serre froide, c'est mieux. Il faut s'y prendre assez tôt. Celui qui va semer ça à fin juin ne va peut-être plus avoir le résultat ou le temps pour avoir un résultat. Donc c'est à essayer. Moi j'ai tenu assez humide, c'est à côté de mes tomates dans la serre. J'en ai mis dehors, mais ils étaient mal exposés. Donc ça n'a pas été... c'est ma faute. Ils étaient sous des petits pois. J'ai voulu mettre à côté des petits pois. Mais c'est des petits pois... je ne sais plus comment ils s'appellent. Comme de Bélier? Non. Je ne sais plus. Qui deviennent très très hauts. C'était pour faire un ombrage pour mes fraisiers. Parce que souvent les fraisiers, ils brûlent pendant l'été quand il y a un été très chaud. Donc eux, ils aiment bien un peu d'ombre. Donc j'avais mis ça. Et maintenant, j'ai au pied de ça, j'ai planté des potirons. Donc il y a des bazars comme ça qui pendent au grillage. Et bon, avec ça là-dedans, j'ai pensé comme ça peut devenir 5-6 mètres de long, voire plus. Donc il faut prévoir ça. Par exemple, dans le dessus de la serre, au milieu, vous pouvez faire vider. Et ils sont parfois têtus aussi. Ils ne veulent pas toujours aller où ce que nous, on veut. De temps en temps, je dois tirer, parce qu'ils passent en travers, c'est un plastique ondulé, en travers les ondulés pour aller dehors. Donc, je les rentre. Et voilà. Mais bon, c'est comique. Il faut peut-être pas mettre ça dans l'assiette comme ça. Ou bien. Ça se mange comme un spaghetti. Tourner en rond. Voilà, je vais laisser la place à Michel. Alors, un haricot à rame, enfin, les doliques, c'est pareil. Parfois, lorsque ça part à un endroit que ça ne veut pas et on veut le réenrouler autour d'une perche, il faut le savoir que c'est toujours dans le sens anti-horlogique. Si vous l'entourez dans l'autre sens, comme vous voulez, ben non. Il va se dérouler, il va repartir dans l'autre sens. Et donc, même parfois, quand savoir, on veut le forcer, même quand on tourne dans le bon sens, il ne veut pas. Il se détache parfois aussi. Donc à ce moment-là, il faut soit mettre une petite pince ou un petit fil. Voilà. Ben, il sera peut-être moins heureux. Ben, je pense que c'est le fait qu'il va à la rencontre du soleil, en fait. Ouais. Quand le soleil vient de l'est, voilà, je pense que c'est une explication. Comme le tour de sol, surveillant en fonction du sol. Vis-à-vis du sol. Et ici, ce sont des plantes rien qu'à montrer. Ça veut dire comme ça. Donc c'est André, un autre André, qui a ramené ça. Donc c'est quelque chose qui est dans le catalogue. Il a mis les numéros sur l'étiquette. J'ai mis le nom à côté. C'est des sortes de cressons. Et ça, c'est... Ouais. Le cresson para, celui-là, et celui-ci, c'est le cresson du Brésil. C'est quand même fort piquant. C'est très fort, c'est presque brûlant. Vous pouvez éventuellement détacher un petit coin et goûter, si ça vous dit. C'est joli. Ça pousse un peu comme couvre le sol. Fort intéressant, l'ail des éléphants. C'est la première année qu'on a eu autant... qu'on a eu autant de possibilités d'avoir des bulbes. Avant, c'était introuvable. Chez Beaumont, par exemple, ils les vendent 5 pour 9 euros.
Ici, tu en as 3 pour 1 euro. Ça produit 4 gousses, plus ou moins, par pied. Ça vient haut comme ça, ça donne... C'est vraiment joli, une belle boule bleue. Attire énormément les abeilles, les bourdons. C'est bon à manger. C'est moins fort que l'ail ordinaire. Il y a moins de difficultés à cultiver. On le plante plus profond. On le plante à 8 à 10 cm sous la terre, contrairement à l'ail ordinaire qu'on plante en surface. Voilà, c'est toutes les vertus. Si vous les laissez sur place, ils reviennent d'année en année. On les plante au mois d'octobre. Bon, ça peut déjà être planté, hein, parce que celui qui les laisse en place, il reste là. Donc, voilà. Ça conserve bien l'extérieur. Ça conserve bien, pour qu'on les a... Ça n'a pas trop de problèmes pour conservation. Ça va dans la serre froide aussi, hein, si on veut attirer les boudons. Ça peut être mis près de l'entrée de la serre et dans la serre. Il faut laisser la fleur longtemps. On peut laisser la fleur autant qu'on veut. Après, on peut en faire des bouquets secs aussi. Les graines, en principe, ne sont pas fertiles. Il y en a qui disent on a réussi à en faire pousser. C'est qu'ils ont eu vraiment un coup de chance. Mais c'est quelque chose à découvrir, celui qui ne connaît pas. C'est surtout bon à manger. Et c'est très bon à manger.